Thank you.
Vous n'avez pas le droit. Nous te condamnons, Natla d'Atlantide, pour tes crimes. Pour avoir très mal utilisé tes pouvoirs et nous avoir volé les nôtres. Arrêtez, je... Pour avoir brisé le triple sceau qui dirige et protège notre peuple et nous avoir envahi avec notre armée, nos guerriers, ceux de nos pyramides, pour pouvoir te servir de la pyramide, du pouvoir de la création, pour semer ton ignoble destruction. Ignoble ? Regardez-vous, aucun de vous n'a la moindre parcelle de créativité dans la tête. Vieux fou. Bien, allons-y. Tiokan ! Tu as profané un lieu sacré pour satisfaire ton seul plaisir. Un atelier de monstres. Ce sont des survivants, une nouvelle génération. Un troupeau à abattre. Et toi ? Nous t'enfermerons dans le néant. Dans tes veines, ton cœur immonde et ton cerveau malade, ton sang gelé ne coulera plus. Tu ne connaîtras plus le repos, Natla. Mais toi non plus, ni ton maudit continent. Voilà. Comme vous. Pour la grande réouverture, je présume. L'évolution s'enlise. La sélection naturelle est plus lente que jamais. Et cette chair bien fraîche réveillera les haines ancestrales et cruelles, nous donnant force et conviction. Et même de nouvelles races. Une évolution grâce aux stéroïdes, en fait. Un bon coup de fouet. Ces idiots de Qualopec et Tiokan sont des ignares. Le cataclysme de l'Atlantide a engendré une race de mauviettes. Les ramenant au stade primitif de la simple survie, ça n'aurait jamais dû arriver. Moi, j'arrive. L'éclosion commence dans 15 secondes. Trop tard pour un avortement. Passe dans le cœur de l'opération. Non !